Vendredi 25 août, Anthony Delon a partagé une jolie story Instagram à l'occasion de l'anniversaire de sa fille. Pour cet événement spécial, l'acteur a dîné dans un lieu cher à son cœur. Déjà 22 ans, que l'acteur franco-américain et son ancienne compagne Sophie Clérico ont donné naissance à leur fille Olive. Malgré les derniers événements survenus dans la vie d'Anthony Delon et notamment la perte d'un proche en la personne de Pierre Cornette de Saint-Cyr, il tente d'aller de l'avant. Le fils aîné de Long avait pris la parole sur ses réseaux sociaux pour exprimer sa tristesse et rendre également hommage à ce grand homme connu comme marchand d'art. Ce vendredi 25 août, Anthony Delon a partagé un moment de joie avec ses admirateurs et il a tenu à souhaiter dignement l'anniversaire de sa petite dernière. Dans ce cadre, le comédien d'un amour de femme a publié une nouvelle vidéo via son compte Instagram. Dans la story dévoilée ce vendredi 25 août 2023 sur le fameux réseau social, on peut apercevoir une bouteille de Grand Cru Vinicole, accompagnée des émojis gâteaux d'anniversaire, cœur et mentionnant le compte de sa progéniture Liv. Une célébration dans un lieu d'exception pour célébrer en grande pompe ce jour si important, l'interprète de Santiago Najar dans le long métrage Chronique d'une mort annoncée a sélectionné avec soin le lieu de la fête. Et c'est sans aucune surprise, que l'homme de 53 ans a opté pour l'habitation familiale nommée le domaine de Douchy. En effet, cette propriété appartient au patriarche du clan Delon. Localisée dans une commune du Loiret, la résidence d'Alain Delon était le choix parfait pour ce moment en famille. Précédemment dans les colonnes de Gala publiées courant le mois de juillet 2022, l'ami de Paul Belmondo avait livré quelques confidences sur le rôle de sa vie, celui d'être père de 3 enfants. Depuis 7 ans, Lou et Liv vivent avec moi. Leur mère a fait du bon travail bien sûr, puis j'ai pris la suite. J'ai même appris à cuisiner pour elle, vous imaginez ? Avait-il conclu ?